Ouais, on est prêt. Et oui, bienvenue sur Games2A TV avec Lordan 2A. Allez, Antoine 2A. Et Alexandre 2A. Quelle arnaque. Alors, nous allons vous présenter nos achats, mais en colis. On les a pas ouverts. On va faire les unboxings, les déballings. Et qu'est-ce qu'il y avait? Pack opening. Avec vous. Il y a David Lafarge là-bas. J'espère que ça se passe bien sans béton. C'est une marque de béton, la Farge, c'est ça. Ah, ouais. C'est pas drôle, hein. Que ceux qui connaissent. Donc, on vous ouvre tout ça et on vous montre aussi nos derniers achats vide-grenier. Et en dernier, hein, on vous ouvrira le troisième colis. Attends ! De suite, après le... Qu'est-ce qu'on ouvre en premier? On fait du plus petit. Attends, on fait le plus petit et en dernier on fera. Je suis le seul qui est pas assemblé ici. Mais ici l'imbécile, là, c'est genre. Est-ce qu'on ouvre deux trucs en même temps? Non. Alors ça risque d'être des trucs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, ça par contre. On peut s'attendre à tout, ça peut être des slips, des chaussettes. J'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. C'est des adaptateurs audio. C'est bon, ça tu t'en fous. En fait, c'est pour un... C'est pour une platine vinyle. Hein, pour adapter des enceintes tertiaires. Oula, moi j'ai toujours des vidéos là. T'as toujours pas réussi. Porte-clé Pac-Man. Vas-y, montre. Ça. Non mais on voit rien. Attends. Wouah. Oh, wow. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. Ah, c'est des autocollants et des autocollants Mario. Hein? Ah ouais, des petits autocollants Mario. J'ai d'où? Ouais, vas-y, montre ça en vente, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, je les avais achetés sur Wish. Ouais. Wish Lorraine. Wish gros. Ok, bon, ouais, on va pas tous les regarder, mais voilà, c'est des petits autocollants déco. Donc vous pourrez trouver sur Wish pour 1€. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a? Des câbles. Un câble, wouhou! Alors c'est une alim... Ah putain! Un adaptateur. Un adaptateur. Je vois, c'est carré. Oh putain, c'est l'adaptateur pour un pote. Il y a des câbles de téléphone. Ah oui, ouais, ça c'est pour fermer live. Pour pouvoir mettre le téléphone un peu plus loin de l'ordinateur. Donc voilà, ça n'a pas un rapport avec les jeux vidéo, mais voilà. Alors... Ça, je sais ce que c'est. Ah putain, c'est tout dédicace. Ah oui, c'est Parker Lewis ne perd jamais. L'intégrale de Parker Lewis ne perd jamais parce que bien sûr, enfin bien sûr, vous le savez peut-être pas, hein, mais je vais rencontrer les deux acteurs sur un tournage avec les noobs et je le ferai dédicacé. Alors je sais pas si vous connaissez Parker Lewis, cette super série. C'est une super série. Ça, on le fait en dernier. On va montrer d'abord les achats avec Grenier. Qu'est-ce que tu as fait de moi? C'est vrai, là, tu relanceras après. C'est idiot, regarde-moi ça. Il a fait tomber les autres trucs. Oh, quel idiot. Vas-y, c'est des trucs Wish. Alors, Wish. Wish. Non, oh, wish. Tu t'en sors. Wish. Oula, alors, en dernier. Il ta caméra. Parce que d'abord, il y a les achats avec Grenier à montrer. Antoine, tu as cassé le truc qui est dedans, je sais pas. Non, il y a un couteau, si tu veux. Oui, un couteau, c'est très bien. Oh, non. C'est l'opening de colis le plus long du monde. Ouais, c'est un couteau. Non, ça a l'air vraiment important, le tir. Mais donne, si tu veux. C'est pas possible, le massacre. Mais quel massacre. Pas de l'unboxing, c'est du massacring de colis. Alors, et là, nous avons... J'ai mis un truc, c'est le mieux emballé. Et c'est un coffret Street Fighter 2, l'intégrale sous blister. Donc c'est une série, ouais, c'est la série animée Street Fighter 2. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez.
Je sais pas combien il y a d'épisodes, donc c'est un coffret. Et tu fais signer aussi. Et par qui? Par Chun-Li. Non, par Ryu. C'est bon. Donc, c'est bon achat vide-grenier, ouais, bon là je coupe pour les achats vide-grenier, on monte juste là, ça suffit. Oh là, là. Achat de vide-grenier, donc pour 3 euros, regardez, qu'est-ce que j'ai eu? Un converseur multi, je sais pas quoi, manette. C'est un multi-tap, on appelle ça un multi-tap. Pour PS1. Pour PS1, tout à fait. Hein, vous voyez, ça respecte les couleurs. C'est pas de l'officiel, marqué multi-convertor. Et on n'a pas plus d'infos, c'est pas si c'est Big Ben ou autre chose. Big Ben. Non, c'est pas Big Ben, on sait pas. Et pour 1 euro chacun, j'ai eu un film SOS Fantôme sur PSP. Voilà, c'est un UMD, hein, donc vous savez, c'est les petites cartouches voilà, PSP. Je suppose que vous connaissez. Et il y a la notice! La notice du film! Pour regarder le film, ouvrez vos yeux, fermez votre gueule! Formula One 2001. Alors, Formula One 2001 en édition spéciale, édition limitée sur PS2. Avec deux CD, enfin il y a le jeu plus un DVD bonus, enfin, c'est un DVD vidéo bonus. Il y en a plus. Bon voilà, c'est bon, un énième jeu de course. Et j'y surveillais. Mais comme on a le simulateur qui va bientôt. Il y a un peu, il passera quand même, ça devrait le faire. Donc on va réutiliser le simulateur sur nos prochaines animations Retro Gaming, petit tueur. Et pour terminer, c'est bon, on a tout ouvert, on a tout montré. Pour terminer, le colis, le troisième colis de... Comment on loue le colis Altaïa? Avec des baguettes. Bon, qui l'ouvre? Avec des baguettes. Moi. Non, attends. Troisième colis. Alors, on s'imagine bien que ça va être des personnages de Street Fighter, ou peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Plutôt gros colis. Donc moi je dis, attendez, on n'a pas parié. Ah ouais, moi je parie le mec avec qui... Avec des longs bras là. Vous dites Gobert? Je sais pas moi. C'est le type qui élargit ses bras et ses jambes. Dalsim. Yoga Fire, toi tu dis que c'est qui toi? Oh le mec qui lance, quand on fait une attaque, il lance ses cheveux. Encore. What? Il est blond, c'est un américain. Et mais il lance pas ses cheveux. C'est Gail. Oui, voilà Gail. Ou ça peut être le commandant. Baison. Ou ça peut être Baison. Moi je sais qui c'est. Je vais lui éclater la tête. Ça m'étonnerait. C'est bon, je l'ai trouvé. Moi je dis Blanca. J'aurais pas eu Blanca. C'est blanc. Et je savais pas, hein, j'ai dit au hasard. Il y en a un deuxième, je crois. Et il n'y a pas de bonus. Ouais, c'est ses cheveux. Il n'y a pas de bonus. C'est ses cheveux. Il n'y a pas de bonus. Mais il les a toujours sur la tête. Comment tu veux que ce soit ses cheveux, ce petit idiot? Vous voyez, au mieux, reste sa tête. Oui, mais il n'y a pas de bonus. Montre sa tête. Elle est pour un sujet. Bon, ouvrez-les. Il n'y a pas les câbles dedans. Non. Alors, j'ai regardé la facture. C'est pas trop beau. C'est le colis le plus cher que j'ai eu pour l'instant. 2 fois 11,90€ dans le colis. Donc, je savais qu'elle allait avoir. Voilà, bon, des beaux posters. Mais bon, ça fait partie des bonus en mots. Et là, c'est le premier colis où on n'a pas de cadeau en plus, quoi. Et c'est vraiment le premier colis qui commence à devenir cher. Donc ça me fait environ 24€ pour ce colis. Ça commence à devenir cher. Bon, il fallait s'y attendre parce que les premiers colis étaient vraiment pas chers. Le premier colis, je crois, il était à 2 ou 3 balles. Le deuxième colis, il était même pas à 10 balles. Ou alors, il était juste à 11,90€. Vous en avez compté qu'un et l'autre était offert, plus le cadeau. Et là, c'est le premier colis. Ça l'ouvre, hein. Commence à devenir cher. Bon, on les ouvrira un autre jour. Mais quoi, une scène de bon, combat. Pour le tout, amène les autres pour montrer tout le monde. Allez, on montre tout le monde, toute la famille. C'est la mi-fa. Ce qui nous fait 6 figurines. Ah, six figurines. 3 euros plus 12. Ça fait combien? 15. Plus 24. 15 plus 24. 39.
Donc 39 euros pour 6 figurines et quelques bonus. Donc les bonus c'était des posters et c'est tout. Il n'y a que des posters. Il n'y avait pas eu des bonus sur le premier? Non, il y a juste eu un volume offert, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas un petit bonus, un petit quelque chose? Non. Tu fais un porte-clés peut-être, tu vois. Même pas. Quel poster dans le deuxième? Bon, ça commence à devenir cher. On va voir. On va voir. J'attends le prochain colis. On attend le prochain colis. Et on prendra une décision. On va peut-être arrêter s'il n'y a pas encore un bonus. S'il n'y a pas quelque chose, ça commence à devenir sérieusement cher. Bon, merci de nous avoir suivis. Alors, je suis très content d'avoir eu ça. Ça, c'est mon cadeau, ça. Ça, c'est mon cadeau. Ton cadeau que tu t'es acheté, t'as pas envie de l'avoir. Donc, à bientôt Corinne, à bientôt Abraham. Hein? See you next time, see you next week. Bye bye, see you later. Ceux qui regardent pas nos vidéos, mais c'est pas grave.